Les 15 et 16 novembre dernier se tenait la 18e édition du Salon Paris Manga, un rassemblement qui met à l'honneur les fans de manga et de science-fiction. Pour l'événement, les cosplayers ont sorti leurs plus beaux costumes, des plus effrayants aux plus sexy. Tous étaient présents pour le plus grand bonheur des habitués. C'est super, il y a vraiment beaucoup de cosplay, il y a une très bonne ambiance et je suis ravi d'avoir acheté mon billet pour participer à la Paris Manga. Je suis un habitué, ça fait 3 fois que je viens, je vais dans d'autres expositions comme la Japan Expo ou la Shibi Japan Expo et d'autres expositions qui reflètent l'art asiatique et surtout les mangas. La France est le deuxième plus gros consommateur de mangas au monde après le Japon et ce salon permet aux visiteurs d'en apprendre plus sur la culture japonaise. C'est un magazine en fait pour présenter le Japon, vraiment tout ce qui est à rapport avec le Japon. Pour présenter des séries, des dramas, des recettes de cuisine aussi dans certains tomes. On peut faire aussi de la documentation sur certains type de manga, c'est vraiment ça pour faire découvrir en fait les gens qui ne connaissent pas trop le manga. Mais le Paris Manga, c'est aussi l'occasion de s'amuser. Jeux en ligne, battle de danse entre amis ou encore tournoi de jeux vidéo. Le salon Paris Manga permet de se cultiver tout en s'amusant aux côtés de nombreux passionnés.